Étienne. Il connaît nos défaillances. Oh, j'ai tel et chaque jour. C'est dans ses exigences. Il est riche en son amour. Allez, tous ensemble. Bonsoir à tous nos internautes, à tous ceux qui nous suivent en ces instants. Voilà, merci. On veut vraiment encore en ces instants se faire du bien dans la présence du Seigneur. C'est vrai, comme on l'a déjà dit, on vit des moments particuliers, mais justement, on veut garder ce lien, même si c'est au travers d'Internet, on veut garder cette communion fraternelle. On continue à prier les uns pour les autres. J'espère que le début de semaine pour vous s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et surtout, ne nous laissons pas dominer par la crainte. La Bible nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et c'est ça, on doit faire la différence. Si nous appartenons à Jésus, eh bien oui. Ce qui doit dégager de notre vie, c'est cette paix. Même si tout va mal autour de nous, nous pouvons garder la paix de Dieu, cette paix en Jésus-Christ. Alors, vous demandez, vous qui êtes derrière votre écran, eh bien de vous recueillir. Et on va prier ensemble et demander au Seigneur de bénir ces moments. Ah, merci Seigneur pour ta grâce, pour... ta présence encore, Seigneur, c'est vrai, ce n'est pas une présence virtuelle, mais qui est bien réelle. Et par ton esprit, Seigneur, nous croyons que tu peux toucher les cœurs, Seigneur, quel que soit l'instant. Seigneur, toi, tu connais les besoins et tu peux y répondre d'une manière ou d'une autre, au travers de ces chants, au travers de ta parole qui va être apportée, Seigneur. Nous voulons
vraiment que tu sois glorifié. Seigneur, à toi toute la gloire. Tu bénis nos frères et sœurs, tu bénis ceux qui passent par l'épreuve, ceux qui sont touchés, Seigneur, par la maladie, suite à cette épidémie aussi, Seigneur. Oh, nous les remettons aussi entre tes mains. À toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Et on veut vous inviter à suivre le Seigneur. Ce chant dit « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas ». Oui, plus nous avançons, plus nous devons marcher toujours plus près du Seigneur. Seigneur, je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai de bonheur et de grâce. Encore à suivre le Seigneur. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Sans rien que le chant de sa voix. Alléluia. Ah, n'hésitez pas à réagir, à nous envoyer quelques messages toujours encourageants. Et vraiment, on est là pour se bénir les uns les autres, pour aussi communiquer cette foi. Hein, c'est ça qu'on veut communiquer avant tout, la foi en Jésus-Christ. Et parler de cette grâce incomparable que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ, là où le péché a abondé, nous dit la Bible. La grâce a surabondé. Il brise le pouvoir des plaies de l'âme.
saint embarras. Quel amour infini que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quel amour infini que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Il a donné sa vie. Tu as donné ta vie. Oui, pour que tu sois libre. Pour que enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable. Que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jamais assez reconnaissant en réalisant ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a donné sa vie. Personne ne l'a fait. Il a donné sa vie pour nous à la croix du calvaire, pour nos péchés, pour que tous ceux et toutes celles qui croient en lui, qui se repentent, aient la vie éternelle. Et Jésus va l'affirmer avec force. Il dit : Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et on veut le proclamer avec ce chant. Et ensuite, ce sera la place au pasteur Patrice Trulès qui nous apportera le message de l'Évangile. Nous prions ensemble, victoire.
fils et les filles du roi, en ton nom chaque jour, un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour, les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, frères et sœurs, amis. En tout cas, soyez les bienvenus. Nous allons passer un moment ensemble. Nous allons écouter la parole du Seigneur et j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ est vivant. Amen. Il est là, il est vivant et dans toutes circonstances, ce que nous savons, c'est que nous pouvons compter sur lui puisqu'il est fidèle, il est bon. Et il connaît notre cœur, il connaît nos situations. Une chose est sûre et certaine, c'est que le Seigneur, ce soir, veut encore renouveler notre cœur. Il veut changer nos vies, veut nous emmener à aller plus loin avec lui. Nous allons, si vous voulez bien, tout d'abord lire un texte ensemble dans Luc, au chapitre 15, au verset 1 à 7. Luc, chapitre 1, chapitre 15, pardon, verset 1 à 7. Luc, chapitre 15, qui nous est écrit... Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ?» Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Peut-être que aujourd'hui, dans votre vie, dans votre cœur, vous avez l'impression que vous êtes perdu. Ou peut-être vous êtes réellement perdu. Vous ne savez pas, avec tout ce qui se passe dans votre entourage, vous ne savez pas comment faire pour avancer.
Et peut-être que vous êtes blessé moralement, peut-être blessé physiquement, et vous avez du mal. Vous avez du mal à avancer. Dites-vous bien une chose, que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que Jésus-Christ est venu pour vous chercher. Et si dans votre cœur, dans votre vie, vous voyez qu'il y a un vide qui s'est créé, dites-vous bien une chose, c'est que Jésus-Christ vous aime. Il vous aime tellement qu'il désire vraiment vous prendre dans ses bras. Jésus-Christ vous cherche il vous cherche et vraiment il veut vous emmener à aller plus loin avec lui. Dans ce premier verset, il est écrit, tous les publicains, c'est-à-dire c'était des collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie, c'est-à-dire c'était des gens de mauvaise réputation, qui s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Et écouter la parole de Jésus, vous avez pris une bonne décision ce soir d'écouter la parole du Seigneur. Et il faut savoir une chose, c'est que ces gens, ils étaient tous attirés par la parole de Jésus. Il faut savoir, c'est que Jésus, pourtant, révélait le péché qui était en eux. Quand ils arrivaient en présence de Jésus-Christ, ils se sentaient vraiment pécheurs par rapport à la sainteté de Jésus-Christ. Les péchés étaient révélés, les choses sortaient du cœur. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'ils voulaient se repentir pour ceux qui voulaient vraiment avoir une vie transformée, une vie changée. Ça peut être votre cas ce soir, mais vraiment, comptez sur le Seigneur et demandez-lui, criez à Jésus ce soir et pouvez lui dire, c'est vrai que je me sens perdu, je n'y arrive plus, je ne peux plus avancer et j'ai besoin de quelqu'un qui vient dans mon cœur, qui vient dans ma vie. Et les personnes qui rencontraient Jésus, ils étaient conscients de leurs péchés, automatiquement, ils se repentaient. La repentance, c'est-à-dire en fait, ils avaient compris que leur passé était un passé difficile, lourd, compliqué et qu'ils ne pouvaient plus continuer comme cela. Ils avaient besoin de Jésus-Christ. Et il est écrit dans Luc chapitre 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alors, il est sûr et certain, dans cette même parabole, il nous est dit, mais si on se sent juste, c'est-à-dire si on se sent capable de gérer notre vie, à ce moment-là, Jésus, il va vous laisser faire, il n'y a pas de souci à cela. Mais si vous vous sentez vraiment dans une situation compliquée, vous vous dites dans mon foyer, dans ma vie, dans mon travail, ça ne va plus, je me sens perdu avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans les informations, je ne comprends plus rien, alors à ce moment-là, mettez-vous à genoux, mais criez à Jésus, demandez-lui à venir à votre secours et il viendra à votre secours. Votre vie va être transformée, va être complètement changée. La bonne nouvelle, c'est que Jésus aime tous les hommes, malgré leur vie passée. Cessez de regarder dans votre passé. Cessez de regarder ce qui ne va pas, parce que Jésus est capable de transformer tout cela. Et il est clair et net, si vous regardez dans un rétroviseur, dans une voiture, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous allez plutôt reculer, voire même vous allez avoir des soucis pour avancer. Mais regardez à Jésus ce soir. Tous nous avons eu un passé lourd. Tous nous avons eu des difficultés avant de connaître le Seigneur, pour ceux qui le connaissent. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de votre vie? Aujourd'hui, ce soir, vous entendez la parole du Seigneur. Où en êtes-vous avec Jésus-Christ? Avez-vous choisi le chemin qui mène à la vie éternelle? Le bon berger, Jésus-Christ, il vous cherche. Jésus est le bon berger. Il veut transformer votre vie. Vous savez, l'alcool, la cigarette, la drogue, la pornographie, ce sont des choses, ce sont des addictions qui touchent malheureusement l'être humain et qui détruisent l'être humain. Mais aujourd'hui même, ce soir même, vous pouvez avoir la victoire sur ces addictions. Vous pouvez avoir la victoire, vous pouvez être délivré de cela. Criez à Jésus-Christ et vous délivrera maintenant. Jésus-Christ est venu chercher ceux qui sont perdus. Vous savez, peut-être que dans votre entourage, on murmure comme ces gens qui murmuraient et qui disaient justement que Jésus avait une certaine bonté envers ceux qui étaient perdus. Mais moi, j'ai envie de vous dire ce soir, peut-être que dans votre entourage, dans votre famille, on murmure comme quoi plus personne ne peut rien pour vous. Moi, j'aimerais vous dire que Jésus peut tout faire ce soir. Il est vraiment celui qui a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Luc chapitre 5, verset 31-32 qui nous est écrit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Cela veut dire dans ce verset, c'est que reconnaissez que sans Jésus-Christ, vous êtes perdu. Reconnaissez que vous n'avez pas essayé vraiment, que vous n'avez pas donné votre cœur à Jésus-Christ et dites-lui de venir maintenant dans votre cœur. Aussi bien qu'un malade a besoin d'un médecin, mais croyez-le, vous avez besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin du chemin qui mène à la vie éternelle, Jésus-Christ.
Jésus n'est pas venu pour ceux qui se sentent justes, mais il est venu pour ceux qui sont vraiment perdus. Peut-être dans votre foyer, dans votre travail, vous avez un cœur brisé peut-être aujourd'hui. Peut-être un mari qui vous a laissé ou une épouse qui vous a laissé. Peut-être que des enfants qui sont malades, dans le cœur c'est compliqué, la famille est divisée. Mais dites-vous bien une chose, seul Jésus-Christ, le bon berger, peut vous sortir de cette situation. Jésus est vivant. Il t'appelle ce soir. Il t'appelle, toi qui es perdu. Tu es peut-être essoufflé, peut-être blessé, apeuré. C'est le comportement d'une brebis qui est séparée du troupeau. Une brebis qui est séparée du troupeau, elle ne retrouve plus son chemin, le moindre bruit, le moindre aspect, en fait, elle va partir dans une forêt, etc. Et elle va se blesser, elle est apeurée, elle est blessée par tout son entourage. Mais le bon berger, quand il va prendre cette brebis, il va la rassurer. Il va la consoler. Il va panser ses plaies. Jésus-Christ veut panser les plaies de votre cœur. Il veut vous restaurer ce soir. Jésus-Christ est vivant. Jésus te cherche. Il veut te restaurer. Il nous est dit dans ce même texte, nous allons un peu plus loin, au verset 3 et 4, qui nous dit, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. » Vous savez une chose, c'est que Jésus est en train de pointer le doigt sur quelque chose d'important. Cette brebis qui est perdue, il y a urgence pour elle. Parce que sans le berger, sans le bon berger, la brebis, elle est complètement perdue, jusque la mort. Et il est plus que nécessaire, c'est un danger, c'est vital que le bon berger intervienne dans la vie de cette brebis qui est perdue. Et ce soir, il est plus qu'important que Jésus-Christ intervienne dans votre situation, dans votre vie. Laissez-moi vous dire une chose, que dans cette parabole, nous voyons l'amour de Jésus. Dans cette parabole, le bon berger aime ses brebis. C'est pour cela qu'il a confiance, qu'il laisse les 99 autres, puisque le Père éternel, Dieu, le Créateur, s'occupe des 99 autres. Son esprit est là, il dirige toutes choses. Mais le bon berger, Jésus-Christ, il peut y aller chercher la brebis qui est perdue et la ramener au troupeau. Et dites-vous bien une chose, c'est que combien de personnes ont compris dans cette parabole que Jésus les aimait, que Jésus les cherche, qu'il ouvre ses bras pour les accueillir. Mais acceptez ce que le bon berger vienne vous récupérer, vous prendre dans ses bras, afin qu'il puisse vous restaurer, afin qu'il puisse transformer votre vie. Vous savez, il y a des gens, ils sont comme cette brebis égarée, ils pensent pouvoir retrouver seuls leur chemin. Ça fait combien d'années? Ça fait combien de mois? Ça fait combien de temps que vous essayez? Essayez donc Jésus-Christ. Ce soir, réalisez une chose. Si vous entendez ces paroles du Seigneur, si vous entendez la parole de la Bible ce soir, dites une chose, Jésus-Christ, si tu es vraiment vivant, si je crois en ce que j'entends dans cette émission, dans cette prédication, alors je veux vraiment venir auprès de toi. Je veux que tu entres dans mon cœur. Je veux que tu demeures dans ma famille. Et vous allez voir que le Seigneur va transformer votre vie. Luc chapitre 15, verset 5, il nous est écrit que lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et va leur dire, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » C'est avec joie que Jésus-Christ vous donne un avenir meilleur. C'est avec joie qu'il vient vous chercher. Mais est-ce que vous allez crier pour qu'il puisse vous entendre? Est-ce que vous allez crier à Jésus afin que le bon berger puisse intervenir dans votre vie? Jésus vous donne une famille, la communion fraternelle, les frères et sœurs. Vous n'êtes plus seul dans votre combat. Il y a toute une famille qui est prête à prier avec vous, intercéder avec vous. Mais la seule décision, elle est entre vos mains, c'est-à-dire vous pouvez accepter Jésus-Christ que vous-même ne pouvons pas faire à votre place. Et vous savez une chose, dites-vous bien que les frères et sœurs, les amis, les brebis aiment rester ensemble. Les brebis aiment la présence du bon berger. Et faites demi-tour ce soir. Faites demi-tour, criez à Jésus. Une nouvelle vie vous attend. À la croix, Jésus dira, tout est accompli. À la croix, Jésus-Christ nous a libérés. À la croix, Jésus-Christ vous a pardonnés. Oui, peut-être que vous avez des fardeaux qui sont lourds, vous avez un passé qui est très lourd. Mais Jésus vous pardonne maintenant.
puisqu'il a, déjà été à la croix, il est même ressuscité, vos péchés ont été effacés. Vous êtes libre aujourd'hui, libre de tout fardeau, mais si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie. De même, je vous le dis dans Luc 15, 7, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Un seul pécheur qui se repent. Que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Donnez votre cœur ce soir à Jésus-Christ. Il veut te pardonner. Il veut te restaurer. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut entrer dans ta vie. Jésus-Christ veut demeurer dans ton foyer, dans ton cœur et transformer toute ta vie. Son ministère, son rejet, ses souffrances, sa mort à la croix, il l'a fait pour toi. Il a été ressuscité, c'était pour te redonner la vie éternelle. Tu es libre en Jésus-Christ. Mais allons-nous accepter Jésus-Christ ce soir? Il a donné sa vie pour nous à la croix. Jésus guérit les malades. C'est à la croix qu'il nous a donné la guérison de toute maladie. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, nous dit la parole de Dieu. Cœur brisé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont cru. Et j'aimerais vous terminer là-dessus en vous disant que Jésus vous appelle. Il veut vous libérer. Il veut vous emmener vraiment à retrouver le troupeau. Il veut enlever ce fardeau qui est lourd, ce passé qui est lourd, cette difficulté que vous avez dans votre vie. Il veut sauver non seulement vous, mais tout ce qui vous entoure. Ce soir, vous avez un choix à faire. C'est d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Il va vous prendre sur ses épaules. Vous allez vous sentir porté. Vous allez vous sentir restauré. Vous allez vous sentir apaisé. Parce que Jésus-Christ est le prince de la paix. Et il va emmener la paix dans votre vie, dans votre foyer. Et le dernier verset que je vais vous donner, c'est Matthieu 11, 28, qui nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. » Reconnaissez ce soir que votre vie est difficile. Reconnaissez que vous n'arrivez plus à avancer. Reconnaissez que vous avez besoin de son secours. N'attendez plus davantage pour répondre à Jésus-Christ. Jésus-Christ, le bon berger. Jésus-Christ vous aime. Il aime tout ce qui vous entoure, tous vos proches, tous vos amis. Mais aujourd'hui, ce soir, vous avez plus que besoin que Jésus-Christ intervienne dans votre vie. Et c'est à vous qu'appartient ce choix. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Nous allons prier, nous allons courber nos fronts. Et si vous voulez justement derrière cet écran, te dire oui c'est vrai, ma vie est difficile. J'ai une vie très compliquée. Je reconnais que je n'arrive plus à avancer. Je reconnais que dans mon foyer ça ne va plus. Je reconnais qu'avec tout ce qui se passe dans les informations, je suis troublé. Mais Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ veut vous sortir de cette situation. Acceptez-le maintenant. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que c'est vrai, comme il est écrit, tu es le bon berger. Et pour ceux qui sont perdus, Seigneur, nous pouvons compter sur toi. Parce que tu es venu dans ce monde pour ramener ceux qui sont perdus. Mais Seigneur, non seulement pour nous ramener, mais ce que je sais, c'est que tu restaures les vies. Ce que je sais, c'est que tu transformes les cœurs. Ce que je sais, c'est que Seigneur, notre vie n'est plus la même une fois que toi, tu es venu dans notre vie. Alors Seigneur, que ceux qui sont derrière cet écran, que nos frères et sœurs, nos amis qui entendent cette parole, puissent t'accepter comme son sauveur personnel. Et que tu puisses intervenir, que tu puisses demeurer dans les foyers, Seigneur. Et qu'un plus grand nombre puisse être restauré. Je te remercie de tout mon cœur, parce que je sais que le temps des miracles n'est pas passé, et que tu as un plan de puissance pour chacun d'entre nous. Que ton nom seul puisse être béni encore ce soir, Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, il est bon de se confier dans le Seigneur. Il est bon de pouvoir nous réfugier en lui. C'est pas un Dieu lointain, c'est pas un Dieu indifférent, c'est pas un père fouettard qui serait là que pour nous accabler, mais Jésus est venu nous présenter le Père. C'est un Père céleste en qui il vaut la peine de venir se blottir. Oui, ce Dieu-là, il connaît tout de notre vie. Thank you.
Tu me formes la poussière. Oh, tu savais le jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur. Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Le jour où je pourrais t'aimer. Tu savais le jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Jésus marche sur la terre. Bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, 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 tu savais le jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise. Pour ceux qui peuvent être touchés par la maladie, qui même peut-être même qui sont liés par une passion dont ils n'arrivent pas à se défaire. Vous savez, Seigneur n'est pas limité, il est capable de guérir, de délivrer à distance. Les évangiles, il est parlé de cette femme qui est venue crier vers Jésus, déterminée parce que sa fille tourmentée par un démon, et elle a supplié le Seigneur. Et devant sa détermination, Jésus a fini par lui dire « Femme, ta foi est grande. » Et il va lui dire « Qu'il en soit fait maintenant, selon ta foi. » Et la Bible nous dit que, à l'heure même, sa fille fut guérie, libérée de cette emprise ténébreuse.
Seigneur n'a pas eu besoin de se déplacer. Eh bien, là où vous êtes, que ce soit dans votre chambre, si vous êtes derrière votre écran, là, par rapport à votre problème, à votre situation, dire Seigneur, étends tes mains sur moi, je veux te faire confiance. Vraiment, on veut prier ensemble, je veux prier pour vous et demander au Seigneur que là, en ces instants, il puisse vous bénir, vous accorder la guérison et la délivrance. Seigneur, je veux croire que tu agis encore en ces instants. Tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui guérit. C'est vrai, un mot de toi. Tu n'es pas limité par la distance, par le temps, Seigneur. Ah, mais tu honores la foi de ceux et de celles qui se confient en toi. Merci d'apporter la délivrance. Seigneur, celui qui peut-être se bat avec un péché, avec une passion, et qui là te demande pardon, te confesse son péché, Seigneur, te demande sincèrement de le libérer, eh bien je crois que tu le fais, tu le libères. À toi toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, soyez vraiment bénis. Et merci encore de nous avoir rejoints ce soir. Et sachez que nous retrouvons dès dimanche, donc dimanche 22 mars à 10h30, où nous aurons notre culte en direct. Donc on vous invite à nouveau à nous rejoindre dans un temps d'adoration, de louange. C'est vrai, c'est particulier d'être séparés de cette manière, mais justement, ça resserre nos liens, d'autant plus on réalise à quel point on a besoin. C'est quand on en est privé qu'on réalise d'autant plus à quel point on a besoin de cette communion fraternelle les uns avec les autres. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages si vous avez besoin de la prière. Voilà, vous pouvez nous envoyer un message, même sur le répondeur de l'Église au 02 32 33 20 73. Si vous avez quelque chose à partager, on peut penser à vous dans la prière. Prions aussi un frère qui vient de perdre son papa, Adrien, et on veut le porter aussi dans la prière avec sa famille, qu'il leur apporte la consolation. Il y aura un service des obsèques au crématorium vendredi. Voilà, priez aussi pour cela, que le Seigneur apporte sa consolation à cette famille. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt. Amen.